Hey les Padawan développeurs, c'est NatFreeJS et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir la première vidéo de notre série sur les boucles. Aujourd'hui, le thème, ça sera la boucle while et do while. Mais avant toute chose, rappelons ce qu'est une boucle en programmation. Une boucle, c'est simplement une syntaxe de code permettant de répéter une instruction un certain nombre de fois. Ce nombre de fois sera défini par une condition. Si cette condition est valide, alors le code est répété. Si la condition est fausse, alors le code est tout simplement arrêté. C'est pas plus compliqué que ça. La boucle while est la boucle la plus simple en programmation. While, ça veut dire tant que. Tant qu'une condition est vérifiée, alors exécute le code. C'est une boucle très puissante, mais très dangereuse. On tombe rapidement dans des boucles infinies qui font planter votre navigateur ou votre ordinateur. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, utilisez-la vraiment le moins possible. Ça, c'était la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Pour cela, je vais utiliser l'éditeur en ligne JSBean, qui est un éditeur très connu. Et si vous avez l'habitude avec mes vidéos, vous voyez que je l'utilise régulièrement. En effet, c'est très pratique. Ça nous permet de créer du HTML, du CSS, JavaScript et d'utiliser la console sans avoir à utiliser un éditeur de code et à créer les fichiers manuellement à chaque fois. Donc, dans notre cas, pour le moment, on n'a pas besoin du HTML. On a juste besoin du JavaScript. La sortie, on n'en a pas besoin. On va utiliser pour le moment que la console. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la console, ça permet d'afficher des messages grâce à notre code JavaScript. Par exemple, il suffit de faire un petit console.log et ce qu'on met dedans, donc ici une chaîne de caractères, bonjour, ça va s'afficher lorsque je vais exécuter mon code. Donc pour l'exécuter, j'appuie sur Run. Voilà, bonjour affiché. Donc vous voyez un petit peu le principe. Imaginons que je voudrais un programme qui m'affiche tous les chiffres de 1 à 10. Donc comment j'y m'y prendrais? Donc il suffit de faire un console.log de tous les chiffres. Donc on peut dire comme ça, puis je vais copier à chaque fois notre console.log à la ligne suivante. Donc 10 fois de suite, vous voyez que c'est très répétitif, très redondant. Et on va remplacer les chiffres à l'intérieur. Donc on passe à droite. Voilà. Donc maintenant on exécute le code, run, et nous avons bien nos chiffres de 1 à 10 qui s'affichent. Est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu plus courte d'écrire ça? Et ben c'est là qu'on va voir l'intérêt des boucles. Voyons voir la syntaxe de la boucle while. Donc notre boucle while s'écrit comme ça, while tout simplement. Ici on doit avoir une condition. C'est comme le if. Une condition en programmation, elle est soit vraie, soit fausse, soit true, soit false. Si c'est true, si elle est vraie, dans ce cas-là, on peut rentrer dans le bloc de code suivant. Donc ici par des accolades. Ici on met notre code. Et bah dans une boucle while, qu'est-ce qui va se passer exactement? En fait, à chaque tour, la condition va être vérifiée. Donc si elle est vraie, on rentre. Si la condition est fausse, eh ben on sort. On se retrouve donc à la suite de notre code ci-après. Donc, nos chiffres, ils vont commencer à 1. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler chiffre, initialisée à 1. Et je voudrais que mon code, mon while, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ce chiffre de plus 1. Donc, comment on fait ça? Ben, il suffit de faire chiffre plus plus. On va plutôt les coller comme ça. Ça fait incrémenter notre chiffre de 1. Mais par contre, on veut ça, on veut que arrivé à 10, il s'arrête. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ma condition là? Je vais mettre tant que chiffre est inférieur à 10. Alors, si je fais inférieur à 10, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va tester tout de suite. Ce qu'on va faire, on va mettre un petit console.log dans ma boucle qui va afficher chiffre et on lance le code. Donc là, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais vous voyez que j'arrête à 9, on ne va pas jusqu'à 10. Donc pour arriver jusqu'à 10, il faut que je mette soit inférieur ou égal. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Ou bien directement, je retire l'égal et je mets à 11. Testons ça. Hop, et ça fonctionne. Passons maintenant à un deuxième exercice. Supposons, j'ai une phrase et je veux compter toutes les lettres de cette phrase. Par exemple, je vais faire une phrase ici, je vais la déclarer comme une constante, je vais l'appeler une chaîne, parce qu'en fait, une phrase, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Et on va dire, je suis NatFreeJS. Et ma phrase se finit par un point. Donc elle commence par majuscule, elle finit par un point. Et moi, je voudrais qu'elle me compte tous les termes qu'il y a, toutes les lettres qu'il y a dans cette phrase. Donc comment je pourrais faire ça? En fait, une chaîne de caractères, c'est un tableau. C'est-à-dire que si je veux accéder ici à la première lettre de mon tableau, et ben en fait, je pourrais le faire comme ça. Console.log,
Donc, chaîne, je vais le faire comme un tableau, j'ouvre mes crochets, et si je mets l'index qui m'intéresse, par exemple pour avoir le J, ça serait l'index 0, parce que les tableaux, ça commence toujours par 0. Donc je clear, je run, et on voit bien que j'ai J. Et si je mettais 1, j'aurais le E, ainsi de suite. Donc moi, j'aimerais bien faire un petit programme qui me compte toutes les lettres. Donc comment je pourrais m'y prendre? Eh bien, on va utiliser notre fameuse boucle while, et on va lui dire quoi, tout simplement? Compte-moi les lettres tant qu'elle n'est pas égale à un point. Donc comment je peux faire ça? Eh bien, on va faire un petit while. While quoi? While chaîne de ici, je vais mettre i. Alors c'est quoi ce i? On ne sait pas encore. Tant que chaîne de i est différent, donc différent de quoi? De points. Alors qu'est-ce que je vais me faire? Eh bien, on va incrémenter un compteur. Compte plus plus. Donc là, on a plein de trucs. On a un compte, on a un i. Alors c'est quoi? Ce i-là, il va me permettre en fait de passer à chaque tour à la lettre suivante. Donc pour cela, je vais la créer, je vais l'appeler i et elle va commencer à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux examiner le prochain caractère, il faut que mon i s'incrémente. Il faut qu'on passe à i au début quand il a 0, puis après i il a 1, i il a 2. Donc lui aussi, on va devoir le faire plus plus. Notre compteur là, il sert à quoi? Bah, lui, il va servir à compter les caractères. Donc on va faire quoi? Il va commencer à 0. Et lui aussi, il va augmenter. Donc pourquoi je fais ça? Vous me dites, aucun intérêt, on a un i, on a un compte. Eh bien, on va voir ça tout de suite ensemble. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit console.log de mon compteur. C'est-à-dire, une fois que tout le while aura fini, on va voir combien nous a compté de lettres. Et ce que je veux également savoir, c'est à quelle lettre on est dans la boucle. Donc ici, je vais tout simplement faire un petit point console.log et je vais afficher la chaîne de i. Comme ça, on verra bien si on parcourt toutes nos lettres. Allez, j'exécute ça, on regarde si ça fonctionne. Donc là, on a bien je, j, e, un espace vide. Oui, parce que c'est un caractère, c'est le caractère espace vide, hein. Donc je suis NatFree. Et en tout, nous avons notre compte qui est à 16. Donc on va les compter, on va voir si c'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Au début, notre chaîne de i, comme i est à 0, donc nous sommes à j. Il vérifie la condition. J est bien différent d'un point. Donc on rentre dans le code. Il m'affiche mon j. Notre compteur qui nous permet de compter les lettres, bah, vu que c'est vrai, il passe à plus 1. Et notre i. Bah, il faut bien qu'on passe au prochain caractère et lui aussi il passe 1 plus 1. Donc après on arrive à chaîne de 1 en fait. En drank, on passe au E. Et ainsi de suite. Donc notre code il fonctionne. Mais que se passerait-il s'il n'y avait pas de point dans notre phrase? Parce que c'est notre condition de sortie. Bah, ce que je vais faire là, vous pouvez le faire avec JSBean, mais il ne faut surtout pas le faire avec un éditeur de code. Avec VS Code par exemple, vous allez faire planter votre ordinateur. Je run. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. J'ai plein d'undefined et mon code, il s'exécute en fait à l'infini. Bon, il y a une sécurité sur JSBean. Je crois que voilà, là, il est affiché. Il nous a fait 1208 tours. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, je regarde, je suis NatFreeJS. Après, regardez, on a des undefined. On n'a que des undefined et on s'arrête plus jamais. Pourquoi? Parce que une fois que nous arrivons au dernier caractère, ici, c'est le S. Et bah, le dernier caractère, on avait dit que le compte il est à 16. Donc ici je vais mettre ça. Je vais mettre tout ça en commenté pour pas faire d'erreur. Supposons, je vais afficher console.log de chaîne de 16. Voyons voir, ça va m'afficher quoi. Donc là, elle a toujours planté. Run. Nous avons un undefined. Chaîne de 15, c'est notre S normalement. Donc c'est bien notre S. Qu'est-ce qui se passe? Et étant donné que le caractère, notre chaîne de 16, lorsque nous sommes sortis ici, bah, il n'est pas défini, il n'y a rien, il correspond à aucune valeur. Donc ça se matérialise par un undefined. Et notre boucle ne prend pas en compte le undefined. Et conclusion, bah, la condition pour lui est toujours vraie. Donc il incrémente i, qui donne un nouveau undefined, ainsi de suite jusqu'à l'infini. C'est pour ça que les boucles while sont très dangereuses et qu'il faut vraiment les utiliser le minimum possible. Réellement, le while on utilise plus
plutôt pour faire des calculs mathématiques. On fera un exemple juste après sur ça. Mais je vais vous montrer une méthode pour éviter ce genre de bug. Supposons que j'ai besoin de faire une boucle while, comme on a fait dernièrement. Je retire ici les commentaires. Mais je ne suis pas sûr que ma condition est bonne. Et donc, j'ai pas envie d'entrer dans une boucle infinie et perdre tout mon travail, faire planter mon ordi, faire planter le navigateur ou je sais pas quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une autre instruction. Je vais l'appeler par exemple tour. Je vais dire voilà. Je vais la mettre à 20. Ça veut dire quoi? Je vais faire une condition de sorte que si mon i arrive à 20, je veux que ma boucle while soit cassée. Comment on peut faire ça? Eh bien, il y a un mot-clé qui existe en JavaScript et qui est très pratique mais peu utilisé. Ça s'appelle break. Donc, c'est quoi ce break-là? Il nous permet de casser notre boucle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre par exemple juste avant ou bien juste après le i par exemple. Et je vais dire quoi? If, je vais mettre une condition. If i est égal à tour, c'est-à-dire que si i prend la valeur de tour, donc ici c'est avec un s, donc double égal, hein, dans une condition, c'est pas un égal comme ça qu'on met, hein, c'est un double égal. Donc si i égale à tour, alors tu me fais quoi? Tu me break ma boucle. Ça veut dire que tu la casses, tu sors de cette boucle complètement. Voyons voir si ça fonctionne. Donc là, on va rentrer dans une condition, donc on n'a pas de point. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va même afficher notre i. Console.log de i. On va mettre un petit truc comme ça. I égale, ça va être plus simple. Donc, i égale à quoi? Hop, à i. Voilà. Donc, je clear et j'exécute. Donc là, on voit quoi? J'exécute mon code. Donc, i au début vaut 0. Chaîne de 0, c'est 1, ainsi de suite. Donc, on arrive. On continue, hop. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On remarque que quand i égale 16, nous sommes le undefined. Et arrivé à 20, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon code est arrêté. Pourquoi? Parce que lorsque ici, i++, il augmente, dès qu'il arrive à 20, cette condition-là va être vraie. Et donc, notre code va être stoppé automatiquement. Donc, ça, c'est la petite astuce que je vous ai donnée. C'est comment sortir d'une boucle. Alors, ça marche pour le while, mais ça marche pour toutes les boucles en JavaScript. Ce fameux break-là. Donc, apprenez-le. C'est un mot clé très important. Bon, notre programme qui permet de compter les lettres, il est pas mal, mais il nous compte les espaces vides. Ça m'énerve. Donc, comment on pourrait faire pour pas qu'il nous compte nos espaces vides-là? J'aimerais bien que lorsqu'il arrive à un espace, en fait, notre boucle saute cette itération-là. Elle ne nous augmente pas notre compte. Il y a une méthode qui s'appelle continue. Alors, c'est comme break, mais on va dire c'est le contraire du break. Donc, je vais vous le mettre en mon application. En fait, on va se mettre comme ça. On va mettre if notre chaîne de i est égale à un espace vide, qu'est-ce que je veux que tu me fasses? Cette fois-ci, je veux que tu continues la boucle. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire en fait, si nous rentrons dans cette condition-là et qu'elle est vraie, alors continue, c'est-à-dire saute-moi ce tour-là. Le problème, c'est si je laisse mon code comme ça, dès qu'on va arriver à un espace vide, ça va sauter le tour, mais vu que i, il incrémente pas, on va rester coincé sur notre chaîne de i en espace ici, donc on va faire encore une boucle infinie. Donc pour éviter ce problème-là, je vais lui dire déjà, tu incrémentes le i afin qu'on puisse passer à la lettre suivante et après tu sautes le tour. Alors voyons voir si ça fonctionne. Donc on va retirer ici notre condition de tout à l'heure, on n'en a plus besoin, vous avez vu c'était quoi le danger, et on va rajouter notre point. Voilà, comme ça on sait que notre phrase finit par un point. On run et on va voir qu'est-ce que ça nous affiche. Donc là on voit bien que nous avons je suis et i ici est égal à à quoi? Pourquoi il est égal à rien? Ah oui, c'est normal, c'est le i là. Donc je continue et on voit cette fois-ci que notre compteur il nous affiche 14 lettres au total, c'est-à-dire 16. On en avait 16 au début et là nous n'en avons plus que 14. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauté les deux espaces vides. Donc nous avons vu le break pour casser une boucle, nous avons le continue pour sauter un tour dans une boucle. Maintenant je pense que nous avons assez d'outils pour faire notre troisième exercice. Qu'est-ce que je veux cette fois-ci? Je veux par exemple que notre programme nous affiche entre 1 et 10 que les nombres impairs.
Alors je veux que 1, 3, 5, 7, 9. Donc mettez la vidéo sur pause et essayez de le faire vous-même. C'est très important de le faire vous-même. Ça suffit pas de regarder comme ça. Si vous regardez comme ça et vous pratiquez pas derrière, d'ici 2 heures, vous aurez tout oublié et vous aurez regardé cette vidéo pour rien. Donc mettez la vidéo sur pause et débrouillez-vous. Si vous n'y arrivez pas au bout de 10-15 minutes, eh ben, vous remettez lecture et on verra la correction ensemble. Bon, j'espère que vous avez bien réfléchi, bien codé. Passons à la correction. Donc moi, ce que je veux, c'est tous les chiffres impairs entre 1 et 10. Donc commençons déjà par créer une variable. On va l'initialiser à 1. Ensuite, je vais faire ma petite condition. While n, tant que n est inférieur, on va mettre 11. Comme ça, on va boucler sur les jusqu'à 10. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu m'affiches un petit console.log de n et ensuite tu incrémentes le n plus plus. Donc là, ça va nous afficher tous les chiffres, mais moi je veux que les chiffres impairs. Comment on peut faire ça? Donc je sais pas si vous connaissez en mathématiques le modulo. Le modulo, c'est ce qui permet d'avoir le reste d'une division. Donc si je fais par exemple ça, if n modulo, ça s'écrit de cette manière-là, modulo 2. Ça veut dire quoi? Hop, égal à 0. Ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire si le reste de la division par 2 est égal à 0, alors le chiffre que j'ai, c'est un chiffre impair. Parce que si je divise par exemple 4 par 2, ça me fait 2. Par contre, si je divise 3 par 2, il me reste 1. Donc tous les chiffres impairs ont leur modulo de 2 en fait égal à 1. Parce qu'il restera toujours un 1 dans la division. Si je prends par exemple 5 divisé par 2, et ben ça me fait 2 fois 2 qui fait 4. Et je dois rajouter le 1 pour arriver à 5. C'est la définition du nombre impair. Donc, qu'est-ce que je veux que ce qui. Bon, désolé pour le bégaiement. Je veux que si mon chiffre est pair, dans ce cas-là, on fait quand même l'incrémentation. Par contre, je veux que tu me sautes cette boucle-là. Continue. Voilà. Testons si ça fonctionne. On run tout ça. Et nous avons bien tous nos chiffres impairs. Alors ça, c'est une méthode de le résoudre, mais il y en a 50 millions, hein. Donc vous n'êtes pas obligé de dire, ah oh, mais moi j'ai pas fait comme ça, on s'en fiche. En programmation, le but c'est d'arriver à nos fins. Le programme, il doit faire ce qu'on lui demande. Après, on passera aux optimisations, etc. Mais si déjà on arrive à faire un truc qui fonctionne, c'est super. Et au contraire, si j'avais mis par exemple est égal à 1 ici, on aurait eu tous les chiffres pairs et pas impairs. 2, 4, 6, 8, 10. On aurait pu mettre une sécurité, par exemple mettre un chiffre, on va l'appeler max, max de tours. On va dire on ne veut pas que ça dépasse 10 tours. Hop, et on aurait pu mettre dans ce cas-là. Alors comment on aurait pu faire vu qu'on n'a pas d'indice cette fois-ci? Eh ben on va le rajouter. On va mettre un petit compteur. Let count, on va dire qui vaut 0. Et on va mettre une petite condition. On va la mettre par exemple ici à la fin. If count est égal à max, dans ce cas-là, tu break. Bon, là, ça va rien changer parce qu'on n'aura pas ce problème-là, mais si par exemple ici, j'avais mis, je sais pas moi, jusqu'à 25, voyons voir ce que ça nous donne. Hop, on arrive jusqu'à 24, donc on va mettre encore plus, on va mettre jusqu'à 250. Voilà, là, normalement, ça devrait faire 250 tours au moins. Je run. Et nous avons que ça s'arrête. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? En effet, j'ai mis mon compteur, mais qui reste toujours bloqué à 0 et il n'a pas augmenté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire augmenter ici. Count plus plus et également ici. Donc, vous voyez, il faut faire très attention à nos conditions avec le while. Donc, clair, là, si je fais run, voilà, on s'arrête bien à ça. Donc, nous n'avons pas de problème. On a fait 10 tours max. Bon, là, ça fait un moment qu'on parle du while, mais le do while, c'est quoi le do while? Eh bien, do while, déjà lorsqu'on comprend un peu l'anglais, on voit que ça écrit fait tant que. En fait, on va prendre un exemple. On va faire par exemple avec une interaction humaine, on va utiliser prompt. Est-ce que vous savez c'est quoi prompt? Prompt, c'est pour rentrer une valeur avec une boîte de dialogue. Pareil, bon, avec un exemple, ça va être plus simple. Par exemple, je vais créer une variable qui s'appelle n, et je vais écrire prompt pour que ça m'ouvre un prompteur. Et là, je vais poser une question. Quel est ton nom? Ton nom. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher cette valeur. Voyons voir qu'est-ce que ça donne quand je lance le code.
voyez, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre avec écrit quel est ton nom. Donc je ne sais pas si vous voyez. Et si je vais écrire, je m'appelle NatFree, mon pseudo, NatFreeJS, je fais OK et on voit que mon N a pris la valeur de ce que j'ai mis en information. Bon les amis, cette méthode de faire, il ne faut pas l'utiliser, hein. D'ailleurs, elle marche pratiquement plus. Vous verrez dans l'exemple qu'on va faire après, il y a des sécurités dans le navigateur qui évitent qu'on en abuse parce que vraiment, c'est gênant ces boîtes de dialogue. On ne doit pas passer par ça en vrai. Donc, dans cet exemple, ce qu'on va faire, on va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre inférieur à 10 et tant que ce nombre il n'est pas inférieur à 10, et ben, on lui repose la question. Donc, pour cela, comment on va faire? On va créer une variable, on va l'appeler n et on va dire que n est égal à prompt et là, on lui pose la question entrer un nombre inférieur à 10. Ensuite, on va vérifier la condition avec notre while. Tant que n est supérieur à 10, tu lui reposes la question. Donc vous voyez, ceci, les navigateurs, ils n'aiment pas du tout. Je vous le dis d'avance. Et vous allez voir pourquoi. Donc là, on va exécuter le code. Donc il me pose la question entre un nombre inférieur à 10, donc j'ai mis 15. Donc logiquement, il va me reposer la question encore une fois. Donc là, vous voyez, il me la repose. Je vais encore répondre, par exemple, 78. J'appuie sur OK et hop, là, il ne me repose pas la question une troisième fois. Ça, ce sont les sécurités de tous les navigateurs récents qui empêchent d'abuser des boîtes de dialogue. Donc, en toute logique, avant ces sécurités-là, ça reposerait les questions à l'infini. Et vous voyez qu'il y a plein de petits malins qui peuvent utiliser ça pour afficher plein de boîtes de dialogue et qu'on n'arrive plus à fermer. Bon, là n'est pas la question. Regardons notre code. On remarque qu'on a deux fois la même ligne. Donc on a une répétition de code. Est-ce qu'il ne serait pas possible de supprimer cette ligne-là et de faire directement, de poser la question directement dans notre while? Le problème, c'est que si on fait ça, ici, ça ne va pas marcher parce que n, ici, il n'est pas encore défini. Donc il faudrait qu'on rentre dans notre boucle while, mais qui vérifie la condition que après, pour savoir si on doit afficher encore une fois la boîte de dialogue. Et bien c'est là où va rentrer notre do while. Notre do while, on fait quoi? Et bien en fait, toute la condition qu'il y a dans le while, on la met là. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter notre bloc de code qu'il y a ici. Et ensuite, il vérifiera la condition. Et si la condition, elle est toujours vraie, il nous reposera la question une deuxième fois. Donc là, on va rentrer dans la même problématique que tout à l'heure, c'est que ça ne va pas fonctionner. Mais je vous montre quand même. Donc là, on est à 10. Donc si je rentre 8, ça s'arrête, c'est bien. Si je rentre 14, et ben en fait, le navigateur rebloque la deuxième boîte de dialogue. Donc on ne pourra pas faire le test réellement, mais vous avez compris le principe. Le do while, en fait, on exécute le code et après on vérifie la condition. Donc ça marche un peu à l'envers du while normal. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu donc le while, le do while, le break, le continue. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper du for, qui est la boucle la plus utilisée en JavaScript. Et j'espère qu'elle n'aura plus de secrets pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller sur mon Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite.